Et en matière de sécurité, toujours les rodéos urbains, vous le savez, ils sont de plus en plus nombreux, hein, que ce soit dans le centre-ville de Lyon, mais aussi dans les communes de la métropole, à Vaux-en-Velin notamment. Eh bien, la maire socialiste Hélène Geoffroy a décidé de prendre le sujet très sérieusement, de trouver des solutions. Elle propose donc des formations pour les jeunes sur des circuits de motocross, hein. Le but, c'est d'éviter évidemment que les jeunes aillent faire de la moto dans les rues de la ville. Une initiative saluée hein, par les jeunes Vaudais. Écoutez ses réactions au micro d'Arthur Blé. C'est une très 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 bonne idée même pour tout le monde. Déjà ça va baisser les rodéos sur Vaux-en-Velin. Du coup c'est un cadre en plus de sécurité. Que aussi il y aura moins de risques pour les citoyens. Pour ils auront moins de risques, de soucis à se faire. Quand ils vont passer, peut-être ils vont se manger une moto sur eux ou un truc comme ça. Du coup, ici, c'est mieux. Il n'y a plus d'espace, on est tout seul, on n'est que nous avec notre moto. Il n'y a personne qui passe qui nous dérange. Il n'y a pas de voiture qui passe. Il n'y a que nous, on n'est qu'entre motos.